Eh, mais c'est le nouveau porteur d'aigle. Crois-moi, je suis bien meilleur que l'autre. Tu as envie de te rendre utile, nouveau porteur d'aigle? Ramène le cheval que ton autre toi a laissé aux pirates. Je peux te le ramener, mais nous allons avoir besoin de tout un tas de chevaux. Pourquoi faire? Les pirates débarquent. Et si les villageois ont des montures, ils auront au moins une chance. C'est vrai. Mais j'ai dressé celui-là pour Mégaclès. Sans son cheval, il ne pourra pas combattre. Tu as déjà vu un général se battre à pied? Pas les meilleurs, non? Exactement. Je vais ramener le cheval de Mégaclès. Et ensuite, on essaiera de fournir des chevaux aux habitants d'Alponos. Cet endroit sera en... Très bien. Espérons que ça se passera mieux que la dernière fois. L'endroit est sûrement... Très bien. Espérons que ça se passera mieux que la dernière fois. Yeah!
Et voilà. Quand le vrai porteur d'aigle dit qu'il fera quelque chose, il tient parole. Doucement, petit bonesse. Mange, laisse tout ça couler en toi. Qu'est-ce que tu fais? Le premier porteur d'aigle était parti vers l'est pour trouver ce fruit. Il a dit que si un cheval en mangeait, il se transformait en Pégase. Les dieux l'ont caché à la vue de tous. Ce porteur d'aigle t'a menti. Crois-moi. Tu ne me crois pas? Au prix où je l'ai payé, ce fruit a intérêt à être efficace. Tiens, regarde. Attends! Vole, mon petit Pégase, vole! Les gens sont maudits.